Salut Broly! Salut Hydra, salut King! Salut Yann, salut Puce Xat! Salut Yann! Salut Toto! Comment vous allez les gens? Salut Anto! Non, non, c'est pas une nouvelle quête, c'est une ancienne qui est ressortie. Salut la Louis. Salut Alexis. Salut Vincent. Ça va toi Chris? Ça va Younes? Ça va, merci Seb. Ouais, il y a la quête du maître du tonnerre qui est de retour. Salut Jackash. Salut Friends. Salut Léo. Non, c'est celle de la semaine cryo, Yann. Un peu Hydra. Salut Friend. Ouais, c'est ça, c'est la semaine cryo. Petit peu de portée plus visée rapide, ça peut être sympa ça. Ouais, non, par contre, rechargement, ouais, non. J'y ai cru. Ah, merci Sébastien. Enfin, je suis un petit coucou de ma part, mec. C'est cool. Oh, le truc du Warcliffe. Bon, il n'y a que ça d'intéressant. Et du coup, le paquet, il est payant, c'est ça? Le paquet des nouvelles émotes? Ouais, il y a des chances qu'elles soient à 700. Ouais, ok, donc c'est payant, quoi. Si tu veux... Si tu veux ces émotes-là... C'est de l'argentum. Ok. Bon bah. C'était bien. Informe-toi, Manuel. Les contrats cryo, ils ont dit qu'ils étaient auprès de chaque marchand, donc faut aller voir un petit peu. Je vais aller voir un petit peu. On peut avoir deux fois le maître du tonnerre? Oui, tu peux le réavoir, je pense. Parce que moi, elle me repropose la quête. Eh les gens, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'il y avait cette semaine. Hein. Si vous ne me croyez pas dans la vidéo, j'y peux rien. Hein. C'est pas de ma faute, hein. Il y a, par contre, il y a les nouveaux catalyseurs. J'aimerais bien voir le nouveau catalyseur du Churros. Voir ce que ça donne un peu. Nice, il a eu de la chatte, Emmanuel, c'est cool. C'est Julien. Go PVP. On va voir, on va voir. Ah, Dawan vend les armatures maintenant, ouais. Tu choisis celle que tu veux. Tu vois, on a.
On a les pages du journal et tout ça. Ok. Ouais, c'est pas du tout la même arme, Puxat. Clairement. Ça n'a rien à voir. Donc moi, je te dirais oui, après, il faut aimer, quoi. Mieux as de pique? Non. Non, non. À distance moyenne, mieux as de pique. À courte distance, mieux dernière parole. Donc ça dépend de comment t'engages tes duels. Salut Mangart. Comment tu vas? Salut Adresota. Merci Friends. C'est dommage quand même parce que je trouve que As de pique est meilleur que Chardon. Ouais, ça je suis plutôt d'accord par contre. Parce que c'est la même distance de combat et je trouve que l'As de pique est plus agréable. Salut Abdé. Comment tu vas? Salut Croc. À la forme? Ouais, il n'y a rien du tout pite hein, comme je m'y attendais. Quand je m'y attendais, il faudra attendre prendre la prochaine quête exotique, je pense. Ça sera le seul truc d'intéressant qui reste dans cette mise à jour. Et puis évidemment, peut-être une ou deux petites vidéos pendant les invitations des neufs. Salut Milo! Vous avez le son en fond ou pas? Ah, c'est peut-être pas assez fort. C'est mieux comme ça. Ouais, il y a un peu plus de loot, il y a eu. Enfin, il y a eu des trucs retravaillés, hein. Clairement. Il y a la mise à jour, elle a retravaillé les doctrines, elle a retravaillé les loots, elle a retravaillé. Enfin, elle a retravaillé des conneries, quoi. Mais il n'y a pas de vrai breaking change, comme on pourrait dire en anglais. Des changements marquants, quoi. Non, non, Logan, il n'y a rien du tout, tout ça. Il y a le retour de la quête du maître du tonnerre si t'étais pas là. Mais c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça, hein, dans mon titre de live, j'ai pas dit que c'était la semaine cryo, parce que pour moi, la semaine cryo, elle n'existe pas, il n'y a rien, quoi. Salut, petit diable. Non, non, quelqu'un Foucault, je les ai pas test encore, toutes les améliorations de doctrine. What? Ok, d'accord. Ouais, il y a eu du nouveau Shino quand même ces derniers mois. Je sais pas quand t'as arrêté dessus, mais. Mais oui, il y a eu du nouveau. Bonne révision à toi, Alexis. Merci à toi pour le like, mec. T'es au top. Dadou, dadou, dadou.
Il est dur à voir le maître du tonnerre. Non, 2 heures c'est fait, je crois, la quête. Elle était pas très longue. Ouais, là je me suis mis au milieu des gens. Activision, c'est comme EA. Pourquoi partout où ils passent, ils écrasent une licence BioWare, Bungie, j'en passe. Non, je suis pas d'accord avec toi. Activision, ils l'ont créé la licence aussi, hein. Faut pas oublier. Si tu considères qu'ils l'ont détruite, faut pas oublier qu'ils l'ont créée aussi. C'est pas comme s'ils étaient arrivés en cours de route. C'est le LJ 49, mon snipe, et les catalyseurs, bah j'ai pas fait de game encore, mais j'aimerais bien avoir celui du Suros. Non, je crois pas qu'il y a un nouveau truc à avoir dans le truc du maître du tonnerre. Ah shit. Ouais, les émotes à 5 balles, ça fait que ça casse les couilles. Hein. Alors, il y a 4 nouveaux catalyseurs. Il y a le suros dans l'épreuve. Et les 3 autres peuvent être obtenus en faisant des assauts. Et dans le PvE en général, je crois. Mais au moins en faisant des assauts. Apparemment, le revolver de service, il est cool. Moi, j'ai eu la flemme de faire du PvE pour l'avoir, mais. Mais il a l'air cool. Le Jotun, c'est dans les contrats légendaires d'Adawan. Les émotes de la semaine sont payées en tweet. Et je suis pas sûr qu'il y ait un moyen de les obtenir autrement. Que Luna, le confiance sur Luna et tout, non. Ah, que le confiance, peut-être que ça se bat, mais que Luna, non. Ma carrière d'influenceur, oh my god. Ça influence trop, moi. What? Pourquoi la mêlée n'est pas passée? Non, je pense que tu vois, ça va pas tarder à ce que j'abandonne tout. Vous le voyez, en plus il y a moins de vidéos sur ma chaîne, je pense que j'approche de la fin de ce que j'avais envie de faire. Ouais, mais tu vois, je fais des vidéos pour m'amuser, pour me faire plaisir. Quand le jour où ça me fera plus plaisir, j'arrêterai. Là, ça me fait plaisir de continuer à faire des lives et des vidéos news. Et de temps en temps, des vidéos test. Là, en ce moment, c'est j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de la faire. J'ai pas envie de la faire, je la fais pas.
Le jour où tu vois, pendant 2-3 semaines, j'aurais vraiment plus envie de faire de vidéos, je pense que ça sera le temps pour moi d'arrêter, tu vois. Salut fantôme! Tu vois, mettre des têtes au snipe comme ça, là, quand on tire dessus, c'est tellement kiffant. J'ai pas dit que j'allais arrêter ma chaîne, j'ai dit que le jour où j'en aurais plus envie, j'en ferais plus quoi. Et qu'en ce moment j'avais de moins en moins envie, alors peut-être que ça repartira, peut-être que ça repartira pas, peut-être qu'il y aura une nouvelle motivation, peut-être que le jeu va changer, c'est vraiment la chose dans laquelle je crois le moins. Tu vois? Et vous le ressentez hein, d'ailleurs, hein. Enfin franchement. Avant, c'était 5-6 vidéos par semaine. Maintenant, quand je sors 2 vidéos et que je fais des lives, c'est déjà pas mal, tu vois. Est-ce que je suis curieux pour Destiny 3? Je suis curieux de voir ce que Bungie va être capable de faire tout seul sans Activision. Est-ce que ça va vraiment être mieux? J'y crois pas trop en fait. C'est ouf de dire ça, mais Mais Destiny 3, il me fait peur en fait. Imagine, ils remettent un pass annuel. Bah déjà, je pense que la prochaine année, ça va être un pass annuel sur Destiny 2. Et ça, j'avoue que ça fait peur à tout le monde. Mais après, un pass annuel, ça peut être bien en fait. Ça dépend du contenu qu'il y a et comment c'est présenté, quoi. Mais là, c'est un peu un cache-misère. C'est un peu un cache-misère. Ah non, Juju, j'ai pas vu, on peut avoir des matrices infinies. C'est Ésotérique qui l'a partagé? Ok. Je t'avoue que je regarde pas trop Ésotérique, donc ça m'étonne pas que je sois passé à côté. Faire des petites histoires du jour comme ça je pourrais discuter avec vous. Salut World Gaming. Oh, vous êtes 100 les gens, merci. Merci d'être nombreux. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est aujourd'hui que j'y réponds. Bungie devrait se motiver à être moins radin et mettre plus de contenu sur les joueurs sans DLC pas annuel. Mec, ils sont pas radins, crois-moi, je suis sûr qu'ils sont à fond mais qu'ils n'y arrivent pas, c'est différent. Salut mec, comment tu vas? Moi je suis pas au point de croire à la mauvaise foi de Bungie, franchement.
Aucune idée, Katus. J'ai l'impression que le jeu est mature en fait, et que renouveler le genre, l'intérêt, ben ça va être chaud malheureusement. Est-ce que le problème c'est la maturité? Moi, ce qui fait un peu peur, c'est le gameplay. Où on n'a pas les mêmes sensations qu'on kiffait, tu vois. Ouais, je fais les histoires avec Pickle. Ça, je peux discuter avec vous. Salut Abin. Par contre, vous voyez, il y a un truc franchement qu'on profite pas après assez dans Destiny, je trouve. C'est comment il est beau. Pour un jeu console en plus, c'est quand même assez ouf. Ouais, judo, moi j'y crois pas trop, donc voilà. C'est l'échauffement à l'heure de l'apéro, exactement 20h30. Après, oui, il le dit hein, dans sa vidéo que c'est pas du tout sûr et que voilà. Pourquoi ne pas croire qu'il peut faire aussi bien? Non, mais le contenu en termes d'histoire de Renegade, en termes de quantité est cool, hein. C'est l'intérêt du gameplay qui est limite. Tu vois. Onega a fait revivre le jeu malgré la mort de Cade. Ouais, mais la mort de Cade, c'est. Enfin. Clairement, tu vois que les gens, ils apprécient quand il y a des rebondissements comme ça, quand il y a des personnages principaux qui meurent et tout. Enfin, c'est pas pour rien que dans Game of Thrones, ça envoie du. Oui, alors ça là-dessus, oui, sur l'histoire, oui. Enfin, j'en sais trop rien en fait. Je t'avoue que je ne l'ai pas senti, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, si vous me demandez pourquoi je n'ai pas parlé du dernier leak. Salut Merlin, comment tu vas? Purée, la VR, comment ça me dit rien du tout. Après, Destiny 3 sur les nouvelles générations, ouais, je pense. Je pense qu'il sera sur la génération actuelle plus sur les nouvelles.
parler à l'équipage de l'Exode Noir. Seul mon capitaine peut accéder à cette partie de ma mémoire. Et il est totalement mort. Après, en thème, Alex, j'ai arrêté d'en parler parce que... Parce que voilà. Est-ce qu'on nous de rester bloqué comme Kate? Oh non, mon module d'évaluation est beaucoup plus fiable que celui de l'unité Kate. Nous sommes de l'autre côté. Tout va bien. Évidemment, le Kate 6 ne devrait plus être très loin maintenant. Salut studio. Ouais Sébastien, c'est la mise à jour de la semaine cryoélectrique comme ils l'ont appelé. Ça va et toi studio? C'est bof bof. Salut Nerita. Continuez comme ça. Sauf si vous êtes débordé, dans ce cas, remuez. Hé, vous avez fini? Ça tombe tellement que j'essaie de... Oh, j'essaie de ne pas vomir là-dedans. Bien joué. Maintenant, approchez-moi, que je disparais à nouveau. Non, non, Shadow, c'est pas du bullshit, hein. Ils ont même remboursé des gens. Ouais Annie, il n'y a pas d'interruption de service, je suis d'accord avec toi. Je sais pas qui c'est qui est bloqué, mais il n'y a pas d'interruption de service en, sur le jeu. Ce lieu tout entier résonne d'énergie qui reste de l'œuvre inaccomplie du voyageur. Pas étonnant que les gardiens considèrent ce lieu comme sacré. Maintenant que Cade est de nouveau opérationnel, nous n'avons plus qu'à trouver Ikora pour reformer l'avant-garde et détruire le Tout-Puissant. Bah, Bayou Oasis, d'après les derniers leaks, yeah, that's a good moment. d'après les derniers leaks, on est plutôt sur un pass annuel sur l'année 3. Ah, j'avais oublié qu'on ressemblait à... Attends, on l'avait fait comment? On avait fait Rihanna... Rihanna extraterrestre. Je pense que ce monstre
je vais. Bon, non, un pass annuel à la manière d'un pass annuel de Destiny, quoi. Penses-tu que le compétitif est correctement équilibré? Il n'y a pas de réelle différence entre l'équilibrage compétitif et l'équilibrage PVP en général. Mais si tu veux que je te réponde, est-ce que l'équilibrage PVP est bon? Non. Est-ce qu'il est meilleur qu'il était à la sortie de D2? Oui. Pour moi, on est sur un équilibrage moyen. Salut Christelle. Louen, on discute en fait ce soir. On a fait un peu de PVP, là on fait un peu de PVE. Peut-être qu'on fera du Gambit, peut-être qu'on fera de la privée. Ouais, là je suis sur PS4 là. C'est ça là un petit peu, c'est exactement ça. J'avais envie de jouer et de discuter avec vous. Donc je me prends pas la tête, tu vois. Salut Naro. De toute façon, je me prends rarement la tête sur ma chaîne et de moins en moins, je pense, les gens. Autant vous le dire. Pour ceux qui n'étaient pas en début de live, je mets un petit frein à ma chaîne en ce moment. Il y a énormément de choses qui changent dans ma vie perso. Et j'ai besoin un petit peu de prendre un petit peu de temps pour moi. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis en vacances, je pars à l'étranger. Il y a du bon qui arrive. Ouais, je sais pas, j'ai rien vu de bon arriver moi. J'ai rien vu de bon annoncé. Hein. À part le premier aperçu de la saison d'opulence qui donne envie, mais ils peuvent très bien faire de la merde derrière un bel aperçu, ça on n'en sait rien.
Je pense, Christelle, dans le prochain impasse. What? C'est quoi ce bug? En Asie sur des comptes offshore, exactement. Je vais aller placer la YouTube monnaie, pas du tout. Ou alors le voyage me coûtera plus cher que le placement, donc ça vaut pas trop le coup, tu vois. Rien, Yanis, malheureusement. Si, à la quête du maître du tonnerre qui est de retour pour ceux qui l'ont pas fait. On peut. J'ai aucune idée de combien on la chope, j'avoue. J'avoue, je sais pas trop. Ça va être après, je pense, l'événement pour la. Pour la. Pour l'arbalète. Un gros DLC d'Erwan. Et qu'après, il se concentre totalement sur le. Sur le. Sur Destiny 3. Oh, elle est trop lente cette musique. Non, John, je pense pas qu'elle vaut le coup et j'avais. Et je l'avais dit qu'elle valait pas le coup. Que frère Vance. Vous voulez dire.
On a le choix de la semaine cryo ou pas? Non, 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 mais après, t'as rien de particulier hein, dans cette semaine cryo. Hein. T'as une mise à jour des. Une mise à jour des doctrines, t'as le retour de la quête du maître du tonnerre, des émotes payants, et puis voilà, c'est tout, hein. En vrai, hein. Y a pas 10 000 trucs, hein, cette semaine cryo. Hein. Oh purée, je sais même plus combien elle est, call. La dernière mission du Chardon? Oh, je crois que c'était pas très haut. Hein. Ouais, Tony, j'ai clairement pas envie de jouer à autre chose. J'ai essayé un autre jeu, hein, mais... J'ai essayé Anthem, j'ai essayé Sekiro... Je pense que le jour où Destiny me saoulera, j'arrêterai vraiment de jouer, en fait. J'ai pas forcément envie de jouer à un autre jeu. Maybe I have to try Path of Exile too. Y a des gens parmi vous qui connaissent Path of Exile? Ou pas? Nope. Salut Gaël. T'en penses quoi, Yon? Je suis vraiment désolé pour tous ceux et toutes celles qui vivent ici. T'en pensais quoi, Moïse? T'aimais bien? Si, si, c'est Kiro, j'ai aimé, mais c'est pas mon genre de jeu, mais il est cool, quoi. Il est vraiment cool, il est vraiment bon, mais c'est juste pas mon genre de jeu, quoi. Et je pense que tous ceux qui aiment ce genre de jeu-là, ils vont le kiffer, c'est Kiro. Parce que même moi, pour qui c'est pas mon genre de jeu, j'ai bien aimé affronter 2-3 boss, tu vois. Salut Kevin. J'ai juste pas tryhard sur le long terme. Ok. Faudra que j'essaye ce jeu aussi. Ma manette s'en souvient encore. Tu l'as fini, DR? Ouais, je suis d'accord avec toi, Kevin. Ça me fait vraiment peur. En 10 heures, GG. T'as cartonné, gros. Bon, en 3 heures, j'étais au deuxième boss. Hein. Un petit raid entre abonnés? Non, des parties privées si vous voulez. Si vous voulez. Ah ouais, ben si t'es un spécialiste de genre de jeu, évidemment. Le masque du Band que j'avais pas eu encore sur PS4, que j'avais eu que sur Xbox à l'époque. Est-ce que c'est pas un signe que je devrais aller en compète ça comme ça?
Ce serait pas un signe que j'aurais faire une petite partie de compète. Allez. Mille-six, on était là la dernière fois, ok. Ouais, on avait bien avancé quand même. Pourquoi je garde 8 vaisseaux? Aucune idée. Ah, ils sont jolis mes vaisseaux. J'ai Alexandre. Ah, j'ai toujours pas monté de chasseur. Hein. Aucune idée, on n'en sait pas plus, Cole. Ah, est-ce qu'on va avoir du monde fond de map? Salut Foulcan. On change ça, cette musique là. Le Elegy 49, gars. Putain, il y avait un mur derrière moi, je l'ai pas vu ce con. What? Pourtant j'étais arrivé au bout. Euh...
Les percs dessus, j'ai des bonnes percs. J'ai visée rapide, cible mouvante et plus d'aim assist. Sur console, c'est vraiment le top. Oh là là! Putain, il restait bien fixe ce salaud. Oh, lui il est mort, tu vois, il reste bloqué dans le mur. C'est un mec qui panique. Ah, je suis avec une T3 et c'est une T4 en face, ok. Oh, c'est des petits changements pit pour les rendre plus équilibrés, il n'y a rien d'exceptionnel. La forme est toi, Mathieu? Parce que l'autre il va rester en scope fixe. What? Ah ouais, mon gros. Salut Merlin, merci d'être passé. Peut-être un peu exagéré, mon super. Salut John, merci d'être passé, mec. Ah merde, le coup d'épaule, bien joué. C'est Lucas. Ah, il m'a couru après tout long. Oh là là. Ok, d'accord, les viseurs fixes. Le LJ49.
Ah ouais, non mais là t'as pas le droit. Putain, le mec qui se fait tuer, je le raise, il tire même pas sur celui qui voit en face de lui quoi. D'accord, tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est là? Oh là, j'ai des collègues qui sont en train de paniquer. Ah, il me reste encore tout seul. Oh là là. Regardez, les deux derniers là, ils ont fait 0 kill depuis 3 manches. On tente le tout pour le tout ou on tente le en face des deux hardscopers? On s'en bat les couilles. En glissade. Non, en sautage. Boum. Tiens, t'as qu'à pas hardscoper là, toi. Bien fait pour ta gueule. What? Ah, oh, c'est bon, c'est gagné. Merci, Naru. Tu farmes la recluse? Non, non, je fais 2-3 parties de compétitif comme ça. On a fait un peu tout, on a fait de la rapide, on a fait des missions du jour. Je suis en live détente des signes. Tu vois, dès que ça me saoulera le compé, je me barrerai, je ferai autre chose. Non, non, faut quoi. C'est pas compliqué.
Non, non, Léo. Ou alors ça n'a pas été annoncé. Ça pique ça un peu, non? Ça pique celle-là aussi. J'ai cru que j'avais fait la collate. S'ils étaient bien alignés en plus, ça aurait largement été faisable. On se croit dans le code avec Tetris? Non, mais je sais pas, j'étais dans un moment où je pensais qu'il pouvait marcher, tu vois. Donc moi, les tricks, quand je pense qu'ils peuvent me sauver la vie, j'essaye. Le tricks pour faire du tricks, là, jamais, mais quand je pense qu'ils peuvent me sauver la vie... Hein. Normal. Pas d'accord, pourquoi est-ce que j'avais à recharger à ce moment-là? J'étais bien.
Ouais. La bobine. Il s'est suicidé tout seul. Oh my god. Putain, mais ils me font que flinch là. Bah ouais, il revient de ouf même. J'ai l'impression de plus rien faire. Ils ont changé leur style de jeu. Hein. Ouais. Ah, je suis mort. What? Oh, ça a l'air d'être win. 14 points d'avance. Genre, on a décidé de pas se tirer dessus avec l'autre titan, ça. On a décidé d'être full fair play. Ça c'est frustrant de mettre une tête à un autre en snipe à mi-distance comme ça là en mode rapide et de pas avoir le kill, c'est... Et it's win!
À quand le retour de la gouvernante? Franchement, la gouvernante, je kiffe. Hein. Mais après, là, j'aime vraiment mettre des têtes au snipe. C'est jouissif. J'ai mis une tête à Kenny. C'est ça. Ça va, Olivier, et toi? Osiris, bah, il a plus aucune raison en termes de lore de revenir, mais peut-être. Enfin, il est bloqué dans la. Enfin, ouais. J'en sais rien. C'est William. Ça va, toi? Bienvenue Super Broly, merci pour ton abonnement à la chaîne mec. Installe-toi, pose-toi, tranquillou. Et toi bien. Merci à toi, mec. Choisissez bien vos combats, car chaque mort. Il reste 5 vies. Double dose. Une vie de plus si on a les lourdes, ça devrait le faire. Ah non. Courir tout droit avec un fusil à pompe quand tu as une dernière parole. C'est pas la bonne idée. Ça va et toi, Esteban? C'est une idée, ça va? Il n'y a pas de fuite pour l'instant, Foucault. Aucune idée, Jules. Il va en avoir marre, lui, avec son arc. Ah non. Run, bitch.
l'impression qu'on est au-dessus d'eux. On est régulier pour l'instant, pas eux. On n'est pas loin. Léo, j'ai une manette knock-on, donc ça va pas trop t'aider, c'est pas la même sensibilité, mais en gros, avec une manette normale, je suis à 4-5, quoi. Plutôt 5. J'ai pas une très grosse sensibilité parce que je joue snipe, en fait. Ok, ça a abandonné le... saboter l'arc pour prendre un jeu tout, j'ai la pression. Ça... ça a arrêté de jouer fair play. Le mec il s'est dit non. Non, non, viser c'était peut-être pas la meilleure idée que j'avais eue. On va repasser à ce que je sais faire. Hein. Me placer et appuyer sur la gâchette, ça suffira. Ah putain. De l'eau. Adam. Oh là là. Ah ouais. La forme et toi, Vincent? Ah, j'ai rien fait cette manche. Ah, ils ont balancé les ultis, ça. Putain, même avec ça, on reste devant, c'est chaud. Ah, nous aussi, on en a balancé un, ok. S'est suicidé avec, sérieux. Bon, une bonne game sur les deux premières manches, puis après pas trop. On approche. J'avais fait ça en solo sur, sur Xbox à l'époque. J'avais fait 1900 et les 200 derniers points, je les avais fait en team. Allez, tant qu'on perd pas, on joue. Quand on perd, on arrête. Let's go.
Après, je ferai pas, je ferai peut-être un peu de partie privée si ça vous dit, ou une nuit noire, ou enfin, je verrai. Deux Léo Girène en plus. Oh my god. Salut Créa! Deux mille cent One Black. Je le savais, Créa, que ça allait pas être à mon goût cette semaine, Crio. Oh my god! J'étais en train de regarder mon téléphone. Ah, ça a l'air de jeu en face. Merde, faut peut-être que je m'y mette. Faut que j'aide mes coéquipiers. Et c'est dur de se concentrer là. Putain, il va être accroupi là dans le coin. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. Et toi, tire avec une arme normale à la place d'être avec ton Jotun là. Ah, mais il le voit même pas lui. Oh là là. What? Comment je peux louper ça?
Ah, mais ouais, mais... Le Jotun, on le gagne en ayant en faisant des matrices performantes chez Adawan. Ah, ça va être compliqué. Ça, ils vont tous avoir des ultis. Avant nous, on va pouvoir en contrer aucun. Le mien est pas très loin, mais. Avant de mourir, on reste à 9, hein, ça reste c'est rien. Alors qu'ils ont utilisé deux ults. J'aurais lui au moins. Un bon endroit pour utiliser mon ult. Pas là. C'est les Avengers, exactement. C'est que du Captain America. Puis en plus, ils vont être en mode que des grenades pour annuler mon ult. Ça va être insupportable à jouer dès qu'il y aura un peu de distance. Ouais. Impossible, il joue à coupi-pompe. Ah, j'ai pas la patience pour jouer contre des gars comme ça, moi. Pourquoi est-ce que vous me faites ça, Bungie, comme je rentre de PVP? Ah. C'est un T4, ça, tu crois? Ah ouais. Ouais. C'est ça quand t'es en solo et que tu tombes contre des T4. C'est la vie, hein. Ouais, il nous garde à 10-12 points. Je pense que c'est fini. Et puis ils ont balancé leurs ulti avec les lourdes et tout. Franchement, ça joue pas mal en face. On tente de changer un peu de style de jeu pour voir.
Ah, je pense que ça suffira pas, mais. Juste voir si c'est plus efficace. Ah, faudrait déjà que je tire sur les gens. J'ai été 4 ans sur One, tu pouvais pas jouer avec avant avec moi? T'attends que je sois parti pour revenir. Fort, c'est la version Puxian 5, c'était les Puxian fort. Ça fait très très groupe de boys band, Puxian fort. Et bah c'est une lose. Ah, Puxian, PS4, Puxian. Ok. Ouais, je crois pas que je vais y retourner, Rafi. Je fais ma petite soirée, je pense. Petit peu de Gambit. Allez, joue mon escouade et selon combien on est, on improvise. Aucune idée, créa. On en est très loin. Pas de privé les gens si vous rejoignez pas. Attendez, il y a peut-être des gens que je devrais accepter. Salut Aprex, comment tu vas? Bébé Wolf, tu veux faire un duel, mec? T'es chaud, mec? Ah, on va
vrai, non, en vrai, plus de 2. Ah bah vas-y, si t'es chaud, on fait du chacun pour soi, sinon. Eh, bienvenue Corentin, merci pour ton abonnement, mec, installe-toi, pose-toi, et j'espère que tu vas kiffer le petit live. À 3. À 4, c'est bien à 4. Tu m'en veux pas, bébé Wolf? J'enlève le son parce qu'en plus t'as laissé le live. Non, pas de soucis, William. No problem. J'ai pas analysé le gameplay de mes coéquipiers. Faisons-le tout de suite. Dernière parole, unique survivant, passage du gouffre, très bon setup. Pas d'exo d'équipement par contre. Chris, nous avons Chris avec un petit Izanagi, jamais oublié. Propre, propre, je valide. Et des piétineuses. Et nous avons Georges, Georges qui sera l'invité mystère avec... un gameplay dont nous devrons découvrir la teneur. Ok. Ça bagarre par là. Eh oui. Eh oui, Chris, je suis désolé. Mais la dernière parole... ça reste... ça reste la vie. La vida loca. Ouh, ça met des têtes. Ah ouais, ça veut mettre des têtes au snipe. Ah ouais. Qui c'est qui met des têtes au snipe, là? Ah merde. Ah bien joué. Bon, je me suis pas pris une tête. Bon, ça va. Ouh, ça va prendre des lourdes, ça, non? Oh, ça tente les trickshots pour humilier le youtubeur présent. Ça a failli passer. Ouh, bien joué. Ouh, bien joué. Ça prend pas les lourdes? Vas-y, je les prends, mais je les utilise pas comme ça. Ça, ça joue propre. Quoi? Il me l'a terminé? Oh le salaud! Il n'y avait plus qu'une balle à mettre. Oh joli Chris. Très propre. Putain Chris, il en voit là. Je suis content de lui avoir mis une tête du coup.
Ah, bien sûr. Ah, Luna. Luna à mi-distance comme ça. C'est quand même. Vous avez vu le temps qu'il faut, c'est ultra rapide. Hein. Tu peux pas faire grand chose. Hein. Eh, ça joue bien snipe là. Bon bah pas moi évidemment. Hop. Ouais, entre deux feux. Vraiment la situation qu'il faut absolument éviter en carnage. Putain. Moi. C'est un stream très dur. Très très compliqué pour moi. Ouh, celle-là, elle a failli passer en tête. Oh, j'aurais aimé. Cent soixante-douze, c'est rien. Putain, puis les chasseurs, ils vont trop vite, moi. Mais non, mets-toi sur celui qui a le super, purée. Pas sur moi. Ah, GG. Putain, ça fait plaisir, il y a du snipe. J'ai l'impression d'être dans D1, les gens. Oh my god. Eh, je devrais en faire plus souvent des parties privées comme ça. Hein. Même si je gagne pas, ça me plaît, moi. Il y a du snipe, du dernière parole. J'ai l'impression de me retrouver dans D1, les gens. En plus, les gens, ils sont fair play. Ils prennent même pas les lourdes et tout. Ah, loupé. Ah, bien joué. Par un lion de guerre, ce serait ouf. Ouh. Il y a la Chris là. Bien joué, Chris. Allez, on laisse d'autres gens rejoindre s'ils veulent rejoindre. Même si j'aurais bien pu le faire d'ailleurs. Quoi, Iron? Bien joué, mec, quand même. Chris, il a tout éclaté, il s'est barré. Putain. Salaud, bah. Il part comme un prince, quoi. Ah, moi, c'est bon.
J'ai fait ce que j'avais à faire. Pas mon point fort, le snipe. T'es pas obligé de jouer snipe, tu joues ce que tu veux, William. Mais c'était agréable de voir des gens jouer snipe et tout ça. Emma. Salut César. Ah, j'ai envie de jouer Arc. Ah, j'ai envie de jouer arc gouvernante. Where is my bow? I want my bow. Ah, bien joué. Oh putain, il y a CBC. Check qui joue bien CBC. Il m'a souvent envoyé des clips, des jolis clips. Ah mais ouais, si je mets deux body aussi. La carte est un peu trop petite du coup pas forcément le ah bien joué. Yes! Ouf. Oh non, elle est pas passée en tête. Ah, ça aurait été propre. Ah, bien joué.
Ok, il y a du snipe là. Désolé gros. Oh bien joué, il m'a fait flinch de ouf. Les roulades, ça enlève toutes les massices. Alors, j'ai loupé la tête. Quand on était repassé en tête? Ah merde, je crois. Plus que les lourdes. Ah non, non, eh oh! Les lourdes, je les ai pas ramassées, hein. Je les ai pris d'un mec que j'ai tué qui les avait. Attends, j'ai le droit de m'en servir quand c'est comme ça. J'ai le droit. Hein. J'ai le droit. T'as mis un long message, Mathéo? Je vois pas, fun. Ah, demain, on pourrait faire un FV1, 5, car. Demain, je suis pas sûr de faire de live, fun, désolé. Qu'est-ce qu'on se fait? On continue comme ça? Peut-être pas sur du carnage, on va être trop nombreux. Peut-être sur du choc plutôt. Vendredi, samedi. Samedi et dimanche, il n'y a pas de live. Vendredi peut-être. Mais samedi, j'ai ma journée qui est bien remplie. Et dimanche, je pars en voyage une semaine en Espagne. Ah, mais je vais pas jouer du tout fun demain, je pense. 4 contre 5? Allez, let's go.
Ah, Octogone. Bien joué, Octo. Ouais, les privés, c'est cool. Ça change un peu d'habitude. Je valide aussi. Une fois de temps en temps, faut en faire. Dwizos, le titan. N'hésitez pas, hein, ce live, vous pouvez poser énormément de questions, je suis là pour ça. World War Z, le film? Ils ont sorti un jeu vidéo, je savais même pas, tu vois. On est d'accord, World War Z, c'est le film avec les zombies qui se montent les uns sur les autres, là. Qui forment des tours de zombies et tout. Bien sûr, Brian, c'est fait pour ça. Regarde, il y a plein de gens qui m'ont rejoint. N'hésitez pas à rejoindre même en cours si vous voulez. Tu aurais pas des conseils pour monter à 2100 points de gloire? Trouve-toi un bon stuff et pars en solo au début. Et parce que sinon, tu vas être sur la moyenne des points de toute ta team. Donc au début, pars en solo et quand tu vois que tu bloques, essaye de trouver des gens qui ont à peu près ton niveau. Voilà. Voilà Léo, mes conseils. Et surtout, essaye pas de jouer des armes que t'as pas l'habitude de jouer en rapide. Voilà. God, ce foirade. Ah, c'est comme ça, CBC. Ah putain, je la mets pas en tête. Oh merde, derrière moi. Ah, je... non, je joue pas trop au Chardon, j'aime pas. Je kiffe tellement la dernière parole en même temps. C'est pas que j'aime pas, c'est que je kiffe tellement la dernière parole que je peux pas jouer au Chardon. Tu vois, la dose d'amusement n'est pas présente quand je joue au Chardon. Par rapport à quand je joue TP. Ah, je voulais tenter un quick. Ah, moi aussi, je m'éclate avec la DP. Oh, purée. Shoot de poney. C'est pas très équilibré tout ça. Pourtant, on est un de moins. Ah, on est même deux de moins. Non, un de moins. Ah! Putain, je joue mal en plus. Ah, on essaie de mettre au moins un trick shot. Tellement mauvais là-dedans. Non, pas du tout.
Allez, mets-la! Non, j'ai plus de balles! Oh yes! C'en est un, ça! On valide ou on valide pas, les gens? Je peux rejouer normalement? Putain! Mouais! Oh là là, le salaud! En plus, ils sont exigeants sur les trickshots, quoi. On veut des kills, on veut des kills. Bon, allez, allez, vas-y, vas-y, je vais essayer de faire un kill. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. No scope! No scope! De l'avance. C'est pas moi qui l'ai eu, non, j'ai cru que c'était moi, putain. Je mets dans les embranchements de porte, les trucs comme ça. Ah, il passe en body. Putain, puis maintenant faut que je récupère des spares. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut pas passer. Oh my god. Ah, j'arrive pas à les mettre. Des très gros quickscopes, on peut essayer? Genre comme ça. Passe! Bébé, il l'a fait aussi, il m'a mis un noscope, je suis en body, avant de me tuer à l'arme. Putain, c'est tellement plus facile en visant, on fait chier. J'aurais pu avoir plein de kills depuis tout à l'heure. Bon bah, je suis nul au trick shot. C'est annoncé. GG à toi, mec.
Ouais, c'est cool. Oh, moi, je joue avec tes oreilles, mais je les ai, mes oreilles. C'est le vent qui te fait la balle. Bon, on va équilibrer les équipes, 5 contre 5. Vas-y, vas-y. Contre 5. Allez, un petit cinquième qui rejoint. Fatality, je l'ai pas vu tomber ça. On joue quoi? On change un petit peu encore? On changerait pas un peu d'arme? J'ai envie de jouer le monarque. J'ai envie de jouer le monarque. J'ai envie de jouer un monarque avec une mort venue d'en haut. Allez, let's go sur la win là. Un char d'arc, exactement, William. Ou un arc don, n'importe lequel. Oh, y a rien qui change, Hugo, franchement. Je l'avais annoncé un peu, hein, qu'il allait rien avoir qui allait changer. Non, je vais essayer de jouer normalement. Je vais essayer de jouer normalement, Octo. Ah, ce serait drôle de faire une guerre des étoiles, Brian. C'est vrai, ça pourrait être sympa. Don't underestimate you guys. Ah non, bien joué.
Les jump shots. Ah, c'est pas moi qui l'ai eu. Là, j'ai eu sans vider, on est d'accord. Je me suis fait one shot là. What? Ça rigole plus là. Oh, je regarde plus le jeu, je suis plus concentré. Allez, concentré. Ah, je suis allé, ils étaient sans noscope. En noscope, on est d'accord. Hein. Alors là, ils sont à peu près 22 021, vous les avez vu? Allez, bougez de là, là. Oui, mais pas de précision. Oh là là, non mais là, vous exagérez, les gens. What? J'avais mis 70 plus le super et ça n'a pas suffi à le tuer. Eh ben, sacrée résistance le coco.
Calm down. Concentre-toi, Pichon. Yes. Oh là là, là ils sont tous tous brûlés. Alors prochaine game, on dit last game et on est tous avec un fusil à rayon. On fait la guerre des étoiles. Allez, last game. Cette victoire est méritée. Tout le monde avec un cristal ou une... Et on joue qu'à ça. Si on n'a plus d'armes, on shoot avec autre chose. Avec nos mains, avec notre super, des trucs comme ça. Est-ce que tout le monde a pris un fusil à rayon? Allez, allez, tout le monde a un fusil à rayon. Allez, allez! Alors, je laisse le temps et après je vire les gens s'ils en ont pas. Allez, les gens ont l'air d'avoir joué le jeu. À quand un top de la communauté? J'en fais plus. Aucune idée, Emma. En fait, je voulais faire le 21% d'Illyrium, mais je le trouve tellement mauvais que j'ai pas envie de faire un test dessus et de l'allumer. Du coup, je me suis pas relancé dans un nouveau test. Non, Emma, je pense pas demain.
T'as vu Goku, c'est bien. Il y en a qui l'ont défendu dans les commentaires en plus. Il y en a même qui ont lâché des pouces rouges et qui m'ont dit vas-y, t'es relou à râler. Genre mes raisons sont pas bonnes là pour dire que c'est pas ouf. C'est la carte des étoiles. Ah ouais, non, mais attends, le diviseur d'onde, il tue trois fois plus vite que les autres. Et oh, ceux qui ont pris le diviseur d'onde, là. Moi aussi, je vais le prendre, hein. De tricheurs. Merde, j'ai plus de balles. Oh, merci, gros merci, énorme merci William Tena pour ton don de 20 euros. Merci, mec. Et on a Clem qui, évidemment, a laissé son micro ouvert. Comme ça, je m'entends en double pendant que je te remercie, William. Merci. Merci, mon pote. J'espère que tu kiffes ce live. Merci à toi. En tout cas, moi, je le kiffe extrêmement, ce live. Merci à vous, les gars. Ça fait plaisir. Ha! Bah on est en partie privée et on s'amuse, amazing, c'est tout. On fait la guerre des étoiles. Ah my god, bien joué. Putain, il tue quand même super vite, hein. Ah, bien joué. Il a remporté son duel. Encore une fois, merci William pour ton don de 20 euros. T'es au top. Merci mec de soutenir la chaîne. J'espère que les petits lives comme ça te plaisent. Allez, la triple. Oh. On la prend, je prends cher. Ah, bien joué.
En plus, c'est serré ce match à la con. Alors qu'on fait tout snap. Salut Michel, ça va et toi? Oh, GG. Alors franchement, le diviseur d'ondes, il reste encore très efficace. On peut plus dire qu'il est cheat, mais regarde, le temps pour tuer, franchement, il est pas dégueu. Franchement, t'es au-dessus de la moyenne des armes, je crois. Invité sur PS4? Bah non, non, j'ai accepté toutes les invites tout à l'heure en plus. En milieu de live, donc après, si tu m'as invité en fin de live, enfin il n'y a pas longtemps là, oui. Oui, je les accepte pas 2-3 fois par live. Une petite pour William, une vraie last one celle-là, et tout le monde joue ce qu'il veut. Allez, j'étais en mode 666 en plus, c'était même pas fait exprès. Allez, c'est la dernière de la dernière celle-là. On sera à quasiment 3 heures de live. Ah, faut équilibrer, vous êtes trop là-haut. Non, normal, tout le monde joue ce qu'il veut. Trois, six, ouais, 6 contre 5. Change de map, ouais, t'as raison. Hello. Ah, j'ai pas de micro pour te répondre, Brian. Brian? Tu vois qu'on s'amuse? Brian? Bon, allez. Where are you? Are you in the kitchen, Brian? Je peux pas lancer. T'es en train de dire que je suis prévisible, Crimson, et que j'ai pas d'humour. Merci, mec, bravo! Bravo! Par contre, Brian, ça va me saouler de t'entendre tout le temps là. Désolé. Non, non, mais je retiens, Crimson, bravo. Bravo, toutes mes félicitations. C'est du joli. Tu connais le harcèlement de streamer? Voilà, bravo. Le harcèlement humoristique de streamer.
Fais gaffe, mec, fais gaffe, ça peut aller loin tout ça. Salut Morales. Allez, défi, jouer en mode chill, chill au max. Chill max en live. Même pas en face de l'écran. Salut Nono. Pour le coup, on va se mettre une bonne petite musique aussi pour Chillomax. Oh my god! Bienvenue à toi, William. Bienvenue dans la famille, mec. Installe-toi, pose-toi. Merci à toi d'être membre, de soutenir la chaîne, mec. T'es au top ce soir. Enfin, franchement, je sais pas comment te remercier. Merci à toi, mec. Franchement, c'est ouf ce que tu fais. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Mode max chill. Aïe. Pas assez de réactivité dans cette position. C'est la dernière Crimson. Oui. Putain, j'ai aucun shoot comme ça, incroyable. J'avais jamais vu que ça changeait autant de choses. Putain, il y a du Jotun en face. Putain, je... Il y a du Jotun, les gens. Le snipe est cool, hein. C'est ma visée là qui est pas cool dans cette position. C'est surtout celui avec le plus d'M6. Non, pas de base. Avec les percs, là, il a une très bonne M6, mais avec il y a d'autres snipes qui ont plus d'M6. Si tu mets les mêmes percs sur, sur d'autres snipes. Le LJ 49. Putain, mais je mets rien.
Salut toi. Quoi? La première étape de la nouvelle carte exotique? Y a pas de carte exotique, Miguel? Ah, ouais, ok, du... En fait, c'est la quête de... Miguel, c'est la quête du maître du tonnerre qui est retour. Oh là là, je mets rien du tout. It's been a catastrophe. Enfin, essayez de jouer un jour allongé comme ça, les gens. Vous allez voir, c'est trop chaud en fait. Je pensais pas que ça changerait autant de choses que ça pour le shoot. En plus, je suis même plus en phase de ma télé. Sérieux, c'est hardcore, hein. Bon, après, peut-être que quand t'as l'habitude, ça change plus grand-chose, hein, mais... Ouh, celui-là était propre. Ça va et toi, Antonin? T'arrives en fin de live, vous arrivez en fin de live, j'ai vu Antonin et Bob. Sérieux, vous jouez allongé les jambes, moi je peux pas, faut que je sois en mode sur mes appuis, tu vois, prêt à mettre un coup d'épaule. Ah bravo, t'as du courage en tout cas Bob de finir ça, GG à toi. Ah, mais allongé sur le ventre, c'est pas pareil. Moi j'aime bien aussi. Mais là sur le dos comme ça en arrière, c'est chelou. Hein. En plus de côté, on va voir si je me mets en face. Ah c'est un peu mieux déjà. En fait c'est peut-être parce que j'étais pas en face surtout. Ah, c'est parce que j'étais pas en face en fait, c'est plus ça. Il y a plus d'une minute. Vous allez bien mériter cette victoire. Ouh là là, il y en a qui ont payé pour avoir de l'émote. Messieurs, dames. Ouh là, c'est une catastrophe. Merci en tout cas pour ce live, merci pour ces quasiment 3 heures, c'était bien cool. Encore un gros merci à toi William pour le don et l'abonnement, bah si malheureusement. Encore un gros merci, vous êtes encore 70 à 23 heures en semaine, c'est vraiment très sympa. En plus vous avez été nombreux pendant tout le live. Gros merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée les gens, et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.